From so far I can remember, Norway has always been on my bucket list. I don't know exactly why, but there is something pretty magical about it. So when my friend Adam told me he was going on an exchange in Oslo, the capital of Norway, I took the opportunity right away. Adam and I have been friends for a few years now. We met in the first year of high school as we were in the same class, and in the beginning we didn't like each other at all. But with time, he's now one of my oldest friends, and we managed to spend 7 days together without killing each other, so I guess that's a good sign of friendship. But to be honest, he's still pissing me off most of the time. Aujourd'hui, on est mercredi 6 avril, et je m'envole pour Oslo! Laisse-moi partir, et devenir qu'un esprit. Est-ce qu'on sait vivre loin de nous, loin d'ici? On s'était dit tant de promesses au début. Au plus profond de moi. As Norway is a pretty big country and is actually the longest country of Europe, the plan was to visit Oslo and Bergen, the two biggest cities in Norway. The first day, we took a 7 hour train journey going from Oslo to Bergen. It's considered as one of the most beautiful train journeys in Europe. And boy, it wasn't disappointing. On va où? Bergen. Pour le petit bidou, hein. Il y a une plaine de jeux dans le train pour les enfants. Ah non, tu veux y aller? Je veux aller dedans. C'est un truc de dingue. It's not supposed to be for you. Ça fait genre ça étudie, hein, dans le train. Étudiant en bras, ouais, ouais, ouais. Bon appétit, hein. Merci. Des bonnes pannes faites maison. Dans un cadre inédit. C'est pas assez cuit, toujours. C'est toi qui les as cuites, hein. Non, c'est toi. Avec le papy qui se plaint. J'en connais un qui a bien dormi. Effrayant. Ceci est un Adam sauvage. Il est dans son habitat naturel en Norvège, uniquement en Norvège. Salut tout le monde! Je suis en public avec Adam et Laura. Je pense qu'Adam était coincé aux toilettes. Alors comme ça, j'ai brossé mes dents. On prend du temps à se préparer. Brossé mes dents. Il est coquet, hein, il est coquet. On allait voir les fjords. On est content d'aller voir les baleines. On espère qu'on va en voir, mais il y en a déjà une grosse à côté de moi, donc ça va. Alors bonjour, en ce 8 avril 2022, nous nous trouvons dans un bateau de croisière afin de visiter les fjords de Bergen. Nous espérons voir de jolis fjords, une belle vue. On a de la chance aujourd'hui, il fait plutôt ensoleillé, la météo est très clémente, sachant qu'à Bergen il pleut plus ou moins 70% du temps. Donc on a de la chance et on a un petit secret, on espère voir des baleines. Thank you.
Another famous thing in Norway are stave churches. A stave church is a medieval wooden Christian church, which is pretty common in northwestern Europe, and they actually look pretty unique. Pour voir la vue et il commence à neiger, une petite tempête de neige. Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur? Une petite rue avec des maisons en bois. Back in Oslo, we wanted to visit the surroundings of the city, so we went to Drøbak, which is a small village, very cute and famous for its fortress. Vas-y, on va ensemble. Mets la voir la tienne et je te rejoins. Ok, mais tu pars pas, hein. Tiens, bâtard. Nous sommes dans une forteresse où les nazis occupaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Adam n'est pas sûr de vouloir s'aventurer dans cette petite cave toute noire. Nous ne savons pas ce qu'il y a au bout. Mais personnellement, je suis mieux à l'extérieur. Allô? Youhou! Y'a quelqu'un? Oh, t'es vraiment une tapette, Adam. Je vais te laisser. Non, je rigole. Par contre, si là, ils ont mis des mannequins, vraiment, c'est pas cool. One super cool thing I discovered in Norway are floating saunas. The concept is simple. You go in your very hot sauna, and once you feel like a cooked piece of ham, you jump in the 2 degrees water and stay for the longest you can. You might even feel a bit dizzy from the change of temperatures, but it feels so good afterwards. In Oslo, I also visited the Nobel Peace Center,
which was hands down one of the best museums I've ever visited because it was super interactive and there was even an escape game inside the museum. Then the weather was so bad that I went to another museum, the Norsk Museum, which is a pretty big museum with general history about Norway and a reconstruction of a medieval Norwegian village with another safe church also. And after that, it was still pouring rain, so I found a cafe to warm up and read a little bit. Last but not least, I checked out the Akershus Fortress and I went to the Munch Museum. Cette barque que j'ai prise un jour, qui m'a pris un jour, brûle à mes pieds, qui m'ont porté un jour, qui m'ont porté loin, qui m'ont porté loin, ce silence qui m'a pris un jour. Qui m'a compris un jour, parle dans ma tête d'une vie à trouver, de fantômes à chasser, de fantômes à chasser. Aussi, je vais partir aussi, je vais rester. Je vais me taire aussi, je vais parler de toi à moi. N'appuie pas, j'ai mal là.